Voilà, pour le plaisir, je vous ai fait entendre aujourd'hui, ce jeudi 10 juin, cet oiseau qui chante pas beau mot. Après vous avoir fait entendre cet oiseau, je vous amène dans le parc du château de Pau. Voilà, il est 16h, nous arrivons au château. Je vais passer devant la fontaine et je vais descendre là pour accéder à la place Blanc. Ceci est nouveau. C'est différent de ce qu'il y a sur l'esplanade du pavillon des arts. Là, c'est pour montrer le château et le bas du château, le gâteau. Non, pas les soucis, c'est moi. Et maintenant, pour accéder à la basse plante, nous allons passer devant les jardins. Coup d'œil au jardin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ranger une plate-bande de quoi ça toujours présentable. Merci. Je vous amène quand même à la basse plante, mais les moutons n'y sont plus depuis ce matin. Magnifique jardin au pied du château. La lavande. Regardez. Je vais me servir. Voilà, je me suis servi. Voilà, après avoir fait des bouts de fleurs, direction la basse plante. On est grand ici, ce parterre. Fleur qui m'interpelle. Cette semaine, FR3 a mis à l'honneur la bergère qui amène ses moutons ici pour paître à la basse plante. C'est ici les espaces que les moutons ont coupés. Maintenant, ils ont coupé l'herbe. Il n'y en a plus, ils sont retournés dans leur bergerie à Arbus. Regardez ici au fond, c'est Tondura. Et également ici. Nous voici devant le palais Beaumont. Et voyez là la rotonde, c'est la salle des ambassadeurs. Et vous voyez, à ses pieds, il y a une pelouse. Allez, je viens vous la montrer. Voici la salle des ambassadeurs. Et la pelouse ici, il y a beaucoup de grillons. Et certains après-midi, on les entend chanter à tue-tête. Et ici, il y a beaucoup de pelouse également. Et il y a des grillons. Et aujourd'hui, c'est pas assez beau et pas assez chaud. C'était ma vidéo de ce jeudi 10 juin pour vous amener voir les moutons à la basse plante, mais les moutons ne sont plus là. Et vous donne rendez-vous pour voir de futur WDD Michaud 64 News. À bientôt.